Salut à tous! Pour moi, la journée s'achève, elle était longue. J'ai préparé 5, un dixième piste et 2-3 autres choses. On a reçu quelques colis. Nous allons bientôt pouvoir vous montrer un petit machin. Je vais tester il y a un moment déjà, mais. Oui, non, tu sais jamais. Finalement, je m'en suis pris un quand même. Comme tous les petits engins pas chers pour débutants, il a ses petits bugs. Mais. Se classera de façon intéressante avec Aptima 150-160 €, Funtech 150-170 €. Là on est à 180-200 €, mais celui-là est en brushless, il est plus gros que les deux autres. Le granit, celui en charbon, c'est 250, mais vous l'avez vu, Funtech à morto, cerveau, t'as toujours pas de frein. Même si tu passes en brushless, etc., tu arrives à. Enfin, sans passer en brushless, tu es déjà facilement à 220-240 €. Donc, pour moi, ça reste le meilleur choix. C'est sûr que l'autre, tu investis un peu moins au départ, mais après, il faut upgrader. L'Apsimo, là, pour tester, on verra. Celui-là, je sais qu'il a 2-3 petits bugs. Maverick, c'est une sous-marque de HPI. Et ils rebadgent évidemment PSD, VCAR, etc. Donc il n'y a pas de mystère, on reste dans des engins à l'allume mou, diff, à fiabilité moyenne, on verra ça justement en utilisation. On a une grosse boîte en dessous et encore une boîte Axel en dessous. Et en attendant, Cacapit. Cacapit, c'est un. C'est sûr pour nous les Européens, le nom est marrant, enfin les Français. Cacapit, c'est un équipementier asiatique. Et. Il fait, par exemple, ce genre de choses. Des ressorts au bas 8SC plus durs. Il fait aussi des ressorts au bas MT plus durs. On a une paire là, attends. Normalement. Donc encore plus dur que les blancs au bas haut. Et là, ils se sont lancés à faire plus de choses. Beaucoup plus, ça arrive encore, vous allez voir. Et là, je me suis chopé 4 de ces pneus. Déjà, regarde, qui c'est qui te fait un emballage comme ça? Personne. Tu reçois donc le kit de 4. J'ai payé une 40aine d'€. Pour l'instant, je l'ai pris en Asie parce que ça va être disponible en Europe. Souvent, même si beaucoup n'y croient pas, quand je trouve un produit qui m'intéresse, je regarde toujours d'abord la dispo en Europe et les prix en Europe. Si le prix est à peine quelques pourcents plus cher, 10, 15, 20% plus cher chez nous, je prends chez nous. Après, si c'est le double du prix, là, j'hésite pas ailleurs. Là, pour l'instant, je les ai pris chez eux parce qu'ils étaient dispo chez eux. On a des jantes à bâton. Ça, c'est de l'Hexa de 17 pour Buggy 1.8, taille basse. Un pneu tout chemin. Il y a plusieurs types de gommes. Il y a 4 profils différents. Les pneus arrivent non collés. Mais la qualité des pneus est juste incroyable. À 40 balles les 4, c'est fou. La gomme est très tendre, on a une super mousse à l'intérieur, tu vois. Vraiment d'excellente qualité tout ça. On a des inscriptions qui ont bien dessus, présentent aussi Cacapit, All Terrain, Discovery, ce genre de choses qu'on aime bien passer avec le petit feutre blanc. Des signes là-bas de la régie qui me dit « ça suffit, c'est l'heure d'arrêter, ça fait 12 heures que tu es dans l'atelier, à un moment, faut sortir !» Et ces roues vont, évidemment, alors là j'ai pris des touches-mains, parce que pour le King Motor Explorer, évidemment, ça ira à merveille là-dessus. Ces pneus sont de meilleure qualité au toucher que les Corallis. Ceux-là, ça va, ils ne ballonnent pas, ils encaissent, mais c'est vrai que la gomme est dure, et la mousse au centre, il n'y a quasiment rien, donc ça très glissant. Ça ne fait pas pouette-pouette. Non, ça ne fait pas pouette-pouette, ça fait juste squish-squish. Et par contre, là... Alors là, je suis bluffé de la qualité de ce truc. Alors ça, évidemment, sur le goudron, ça se bouffe en moins de 2. Mais sinon, terre herbe à tester. Franchement, alors eux, ils ont prévu ça pour Buggy et Short Curse. Existe aussi des jantes en Hexa 12. En Hexa 12, tu as des jantes sans déport et avec un peu de déport. On verra tout ce qui va arriver. Beaucoup de choses vont arriver. Et on a en plus le plaisir d'avoir un distributeur français à ce sujet, puisque quand j'ai contacté Cacapit Europe, je suis tombé sur Action Modélisme. Et donc là, on va voir
comment ça se développe chez Gacapit, les disponibilités, la qualité, on va tester tout ça, on va vous tenir informé. En tout cas, vous pourrez tout avoir chez lui, allez faire un tour sur sa boutique, vous ne serez pas déçus. Enfin ça y est pas encore, hein. Laissez venir les choses, Gacapit se réveille à peine. Et il y a un abonné qui a déjà trouvé ce que j'ai trouvé aussi. On l'a commandé ensemble et je pense qu'on va se faire vraiment très plaisir. Salut les mecs.